M'entends-tu? Bonjour, ici Chantal Ducharme. Aujourd'hui, sur Le Juste Point, j'ai le plaisir de rencontrer M. Robert Duguay. Bonjour, M. Duguay. Vous réalisez que ça fait 27 ans. 27 ans. J'aime beaucoup votre parcours. C'est un beau CV, mais ça manque d'expérience. Je viens tout juste de finir mes études. On demande au moins 2 ans. Merci quand même. Monsieur Duguay, vous êtes ici avec nous ce matin pour nous éclairer sur les événements d'hier soir. Alors, je suis heureux que vous fassiez partie de l'équipe. Je suis bien contente, tout le plaisir est pour moi. Tout à fait, Chantal. Effectivement, une surprise sans précédent. C'est le moins qu'on puisse dire, hein? Personne ne s'attendait à ces résultats hier. Non, non. Aucun sondage n'avait anticipé cela. Sans aucun doute, une victoire écrasante et, encore une fois, franchement surprenante. Je suis tout à fait d'accord avec vous, hein? Mais au vu de la situation actuelle, qu'est-ce qui, selon vous, qu'est-ce qui a occasionné ces résultats-là? Eh bien, si on tient compte de toutes les informations qu'on en a pu... Oui, je viens d'être mis à la porte, là. Je suis mis à la porte. Mais pour moi, personnellement... Oh non. Oh oui. Il délocalise la compagnie. OK. On se revoit tantôt. Bye. There's no way to be sure in English. What's the problem with Montreal? In Toronto, everyone is friendly. You have a feeling you're at home. Have you ever been to Quebec? Yo, le party hier soir, là, c'était tellement lit. Oh wow, il est tellement cave. Là. Et Chris, là, il est tellement tardé, là. Il a cité un PC dans le chest, là. Il était tellement froid, là. En même temps, là. Ouais. Honnêtement,
Je ne m'attendais pas à ce que Daniel Tremblay arrive à marquer autant. Pourtant, son influence est indéniable. Il suffit de regarder le pointage final. Oui, oui, tout à fait. Mais comment diriez-vous, si vous deviez nous résumer les leçons que nous pouvons prendre de ce qui est arrivé hier, comment résumeriez-vous cela? Bon, la réunion est terminée. J'ai besoin du contrat de construction pour le gâteau. T'es une femme émancipée. T'as pas besoin pour aller chercher, hein? Anyways, j'ai pas à faire quoi que ce soit pour toi. Si. Et depuis quand? Depuis que j'ai eu la promotion et pas toi. Il est dans mon char. Oui, malheureusement, les coupures vont affecter également les régimes de retraite des anciennes travailleuses et des anciens travailleurs. Le pourcentage de réduction va être calculé sur toutes les heures travaillées. C'est à ce moment-là. On va voir. Ce qu'on a découvert hier, Chantal, c'est que la population était écœurée. Les gens étaient tellement écœurés par tous leurs problèmes qu'ils n'ont pas vu d'autres solutions. Hier soir, ce ne sont pas seulement les extrémistes, les racistes et les misogynes qui ont voté pour Daniel Tremblay. Daniel Tremblay, hier soir, a été élu 32e premier ministre du Québec par plus de la moitié de la population. Des Québécois comme vous et moi, et chacun d'entre eux avait, de son point de vue, une bonne raison de choisir cet homme. Veuillez accueillir Daniel Tremblay, 32e premier ministre du Québec! Coupé! Hey, il nous reste juste à préparer l'entrevue selon laquelle Hélène Cloutier va l'emporter, hein? Puis on est prêt pour demain soir. À date, là, tout va très bien. Oui, mais je vais peut-être retravailler un peu mon explication sur les accommodements raisonnables. Moi, je ne mettrais pas trop de temps là-dessus, hein? Hey, à 100 %, c'est certain que c'est Hélène Cloutier qui va l'emporter. Daniel Tremblay, il ne passera jamais. C'est bien vrai. Élire un taouin raciste et misogyne de même, ça n'arrivera jamais ici.